clair. On part avec la mère descendante d'Horoscope. Et on est jusqu'à l'entrée du four avec du courant favorable. Et puis après, ben, on commence à prendre la renverse dans le four. Ensuite, on passe le rat de sein. On voit bien que le rat de sein, c'est pareil, on fait une approche contre le courant. Donc là, il propose une approche par l'ouest un peu pour aller se protéger de. Ici, là, il y a Thévenec, l'île maudite de Thévenec, connue parce qu'il y a eu un meurtre. Je crois qu'il y a un gardien de phare qui a tué sa femme. Il l'a égorgé parce qu'elle était chiante. On a une bouée à Pinmar, Pays Bigoudin, quatre cavales là qu'on doit laisser à droite, donc on est obligé de passer là. Et après, ben, route directe vers Belle-Île. Et donc ensuite, ben, le jeu s'ouvre un petit peu parce qu'on va aller chercher une bouée qui est au milieu du golfe de Gascogne. Le vent est nord-est et puis en fait on va vers une bascule au nord-ouest. Et ensuite ça revient nord-est. C'est bizarre cette petite, ce petit passage au nord-ouest, il faudrait identifier ça s'il te plaît. Donc voilà, c'est une étape qui va marquer le classement général à mon avis. Donc c'est pas du tout droit comme on a un peu fait sur les deux premières, donc ça peut ouvrir le jeu. Parcours et bah là pour l'instant Thierry il est bien, il est plus que bien même. C'est plutôt les tout premiers au classement qui vont commencer à faire dans la culotte, donc ça c'est bien. Et moi je suis un peu en attente derrière, donc c'est excitant parce qu'il y a du jeu, voilà, il y a de l'ouverture, tu peux choisir ton camp, tu peux. Donc c'est sûr que tous ceux qui sont pas dans les 3-4 premiers au général vont savent qu'ils peuvent attaquer dans ces moments-là, et donc ça va être la bataille navale, ça va être sympa. Et puis le bateau, tout va bien à bord, il y a eu 2-3 petites bricoles de fête, beaucoup de rangement, de nettoyage du bateau, et donc maintenant il est quasiment fin prêt pour repartir sur les sables d'Olonne.